Bonjour YouTube, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo incroyable. D'habitude, on est en enfer. Là, on est en enfer parmi les enfers, dans les enfers de l'enfer. On est donc en sécurité. Euh, personnellement, c'est un métier que j'aime bien. Alors, j'y vais pas beaucoup parce que c'est compliqué de jouer 20 heures par jour. Mais là, on est sur un live de 12 heures sur Twitch. Du coup, Activation de l'uptime. Voilà, oui, ça fait une demi-heure qu'on est déjà là. Hop là, scratch, scratch, scrooge. Du coup, euh, pendant ces 12 heures, j'avais bien envie de me balader un petit peu à travers les différents métiers que, que nous compose euh, ce magnifique environnement. Et euh, j'ai choisi pour commencer la sécurité parce que c'est un taf que je trouve vraiment stylé. Il euh, y a maintenant pas mal d'accessoires et il y a vraiment moyen de. De bien se marrer étant donné le nombre un petit peu et la diversité des, des accessoires disponibles. Vous l'avez reconnu, Ford Explorer 2020, sécurité, c'est le même qu'on a en police. On a également le petit ceinture en police, on a le taser, on a une arme, une arme de poing, des plots, des panneaux, enfin bref. Euh, pour faire simple, euh, quand il n'y a plus personne qui répond au téléphone, qui c'est qu'on appelle? C'est pas Ghostbuster, c'est la sécurité. C'est-à-dire que souvent, euh, c'est appelé sur... Un accident, un braquage, un blocage de pont, un event, un convoi pénite, euh, une course-poursuite qui dégénère. Enfin, voilà, c'est. Euh, ça peut être très calme. Comme tu peux te retrouver à faire un truc improbable. Euh, donc, c'est un petit peu un, un métier kinder surprise. Euh, C'est-à-dire que tout est possible. Voilà, tu peux. Euh, tu, tu peux. Euh, il ne peut rien se passer. <laughs> Comme ça peut dégénérer à un point où il n'y a pas de non-retour. Donc j'ai préféré me préparer. Ford Explorer 2020. Euh... C'est le même qu'en police. D'ailleurs, petit petit Easter Egg, il y a le boîtier qu'on a dans le véhicule de police, mais euh... c'est pas pas la version police. Euh, fait par Skyrix. Celui-ci a les petites rampes orange que je trouve vraiment sympathiques. Petit klaxon. Qu'il a en sécu, klaxon de voiture. Et sinon, on est sur euh, la même version police avec le sapin de Noël de partout. Sauf que lui, il clignote en orange. Pour être agent de sécurité, pour ceux qui y ont zappé, il vous suffit d'aller à Pôle emploi qui est dispo ici à Indio. Donc c'est le petit chapeau là dispo dans la légende. Directement sur la droite. Et euh, après, faut venir au QG. Et puis, euh, bienvenue en enfer, mesdames et messieurs. Je me rebranche sur la radio. C'est mon bruit de branchement. Oui, ce que je veux dire. Alors là, déjà, vous entendez-vous Entendez-vous déjà Entendez Déjà Déjà voilà. Déjà nous voilà, hein, pour commencer. Alors prise de service. Alors nous, on est, on est Charlie, mesdames et messieurs. P.C.S. pour Charlie. Ouais, pour vous informer, prise de service de Charlie, un effectif Ford Explorer, sécurité disponible. C'est reçu Mais après, vous serez transféré en Bravo. Il n'y a plus Bravo, tu vois. Ok, ça marche, je fais le switch. Alors, du coup, on passe de Charlie en Bravo. Hop ah, attendez. J'efface. Ok, c'est bon. Donc, oubliez pas. Si jamais ça dit bravo, c'est nous Ok Faudra pas oublier. Alors déjà, le parking, incroyable. Donc, petit RS5, petit Arteon. Bon, elle, elle est un peu fatiguée, mais euh, voilà, c'est comme ça, c'est les choses qui arrivent. Là, il y a un DP qui est là, je sais pas pourquoi, mais il est là, avec une mini coupe... Je sais pas, je sais pas, écoutez, on va pas trop poser de questions. Mais bon, là, il y a, il y a une DP avec une mini Cooper. je vois pas trop ce qu'elle fout ici, mais écoutez... Allez quand même, présente. Plaisir, place, Petit véhicule décollaque sur le loin. Sur le lointain parking. Et écoutez. Pff, est bien ça. On est sorti, mesdames et messieurs. Voilà, si hop là. On peut, on peut pas Nous. Prévu, voilà. Sorti. Je vais baisser le son de cette radio. On y est, mesdames et messieurs. On y est. Nous voilà en agent de sécurité. Sur arma for life on se Je me prépare à tout. Une explosion, un coup de feu, un attentat, thermonucléaire, le Covid. Euh, vraiment tout peut arriver. Alors j'ai pris des plots, des chargeurs, à boire, à manger, une lampe torche, trousse à outils, trousse à secours, euh, triangle de signalisation, mon gilet, des plots, des plots, un brassard, une casquette, euh, une polaire, route barrée, pont fermé, euh, blablabla. Bla, 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 bla À boire, à manger, des bibs, des sandwichs. Enfin bref, normalement. On est paré pour Attaque zombie, Apocalypse, Armageddon, hey, Invasion d'Alien. Normalement, on est bon. Coucou Meryl, comment ça va Normalement, on est bon. Hein. Là, jusqu'à présent, vraiment, ça peut s'arrêter maintenant. Go liker la vidéo, go vous abonner. Parce que potentiellement, dans 3 minutes, ça peut dégénérer. Ça peut dégénérer très, 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 très rapidement. Donc, on est bravo. Hein. Ouais, on est bravo. Non, parce que. Je m'étais dit que j'étais Charlie, il va appeler bravo, je vais me dire bah je suis Charlie. Euh, et puis au final, euh, quiproquo. Alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de trucs. Alors il y a un food truck et il y avait un garage. Le garage il a fermé, ouais c'est ça. Le garage il a fermé. On va aller voir sur une nuit un petit peu à quoi ça ressemble. Et après on fera notre petite patrouille. Oh putain, t'as un mec qui s'est planté dans le virage là-bas. Bon, on va aller se balader et on va aller voir un petit peu où sont les accidents. Et on va surtout regarder si on va en faire aussi. Euh... Piu poups, Je suis en train de réfléchir. Non, on est bon, on est bon, on est bon, normalement, on est bon. J'ai rien oublié. J'ai appelé mon banquier, j'ai appelé mon assurance vie. J'ai prévenu ma famille. Que peut-être je risquais de ne pas revenir. Donc normalement, on est... On est bon. Les collègues... La dire, mesdames et messieurs. Si vous aimez bien les explosions, c'est le métier qu'il vous faut. Et donc du coup, petit 4-4 que je trouve vraiment super sympa. Et il a bientôt sa petite sœur qui arrive. Euh, la forme Crown Victoria, pour ceux qui connaissent. Okay. Et euh, du coup, ça veut dire, entre parenthèses, DLC Police qui arrive. Bientôt. On est, bientôt, euh, on est bientôt prêt. J'ai eu des nouvelles idées pour le DLC Police. Donc, ce sera le DLC de cette fin d'année ou début d'année prochaine. Et euh, du coup, vous verrez. Il euh, y a des skins qui avaient déjà été annoncés il y a plusieurs mois. Au final, il y a des changements. Il y en a d'autres qui arrivent. Euh, vous verrez. Mais euh, ça, va être, euh, ça va être assez sympathique. Et euh, c'est comme euh, ça a été annoncé pas de bleu, pas de sirène. Mais un petit, un petit covering un petit peu police du monde. Euh, donc avec des véhicules de type américain, anglais, belge, suisse, euh, etc. Oh, un bus Etc, etc, etc. Mais vous verrez. Vous verrez, vous verrez. Normalement, fin d'année. Si on n'est pas tous morts. Alors, j'ai vu qu'il y avait un bus. Alors, ce bus-là... Il ramène les enfants à la maison... Et je dois vous avouer que ça fait un moment que je l'avais pas vu celui-là. Ah là là, bus taxi, ça fait un moment que j'ai pas été aussi. Regardez comme il est beau, petit bus américain. Ça la gouille un peu. Enfin, il la gouille un peu. On va garder notre distance de sécurité face à cet individu. Ouais, on peut acheter à manger là-bas. <laughs> vous avez vu le, le beau 4x4 qui est tout pété. Bref, faut se préparer à tout. Mais je pense que pour commencer, on va aller voir déjà si rien ne brûle. Ça permettra déjà de se rassurer un petit peu, vous savez. Afin de savoir si, si on va peut-être ne jamais survivre. Bienvenue, bienvenue. Ouais, il faut du Dolly Park. J'en ai pas pris, du Dolly Park. Ben, sinon, on ira... Euh, on ira à l'hôpital en acheter ou on appellera les ambulanciers si vraiment on a besoin... Euh, si vraiment on a besoin d'un petit peu de Dolly Park. Hein, vous connaissez la chanson. Si besoin... Vas-y, on va aller voir là. Si besoin, mesdames et messieurs, on pourra, euh, on pourra aller chercher des médicaments. Euh, en parlant de, de Chiron, donc euh, est-ce que vous êtes au courant que Volkswagen aurait vendu, écoutez bien, écoutez bien, j'ai appris ça aujourd'hui, Volkswagen, donc propriétaire de Audi euh, et de je ne sais plus combien d'autres marques, dont Bugatti, la fameuse marque Bugatti, euh, ce serait, donc Volkswagen aurait vendu Bugatti il y a genre quelques jours, est-ce que vous êtes au courant de ça alors, je ne sais plus le nom de la société parce que pour le coup, euh, ça me disait rien du tout. Sirma ou Rimsa, un truc comme ça. Mais genre, c'est pas. Euh, genre, c'est pas. Euh, c'est pas, euh, pas Peugeot qui a racheté, quoi. Donc, à ce qui paraît, Bugatti a été vendu, mesdames et messieurs, à Rimac. Voilà, c'est ça. Rimac, et est. Je sais pas qui. aurait réussi à racheter Bugatti, vous, vous rendez compte alors, j'étais en mode choqué. Transmet pour bravo! Euh, la fin de service, c'est que Alpha est actuellement je vous laisse reprendre le rôle de PCS. Ok, ça marche, pas de soucis. On va se garer là. Bonne Merci, bonne soirée! Du coup, voilà. Bugatti, on pourrait croire, genre, la. Vraiment le Graal, le... un petit peu automobile. C'est-à-dire, la. 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 L'argent! La... L'argent, tout simplement. Eh ben, en fait, pas du tout. Mais genre, pas du tout, du tout. Donc voilà, j'étais très triste. Euh, j'étais très triste de l'apprendre, Et euh, je tenais à vous partager cette information. Nous verrons, nous verrons. Coucou Marc-Antoine, comment ça va Payday, ouais, j'en ferai peut-être cette nuit, je sais pas. On verra, on verra. Est-ce que vous êtes étonné Il est magnifique en plus. Petit SVR bleu euh, avec euh, l'option euh, rabaisser sur l'avant. C'est du tuning, hein, pour info c'est fait exprès. En fait ça c'est du tuning qu'on a développé nous-mêmes, on, on est les premiers à l'avoir lancé. Euh, on enlève les pneus et on fait rouler les véhicules sur les disques de frein. C'est pour les rabaisser vraiment le plus possible, vous savez. Il y en a qui rabaissent leur voiture, ils mettent ça sur R-Lift, ils changent les ressorts, ils mettent des combinés filetés. Nous, on a été encore plus loin. On enlève les pneus avant et on roule sur les disques. Ça permet un abaissement brutal et, euh, et terminatif euh, du véhicule. Et du coup, ça lui donne. Euh cette allure comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, après on aime ou on aime pas, mais moi je, je trouve ça joli. Reçu pour PCS, vous passez en bravo. Voilà, c'est un petit peu petite info. Voilà, je vous le dis, euh, c'est cadeau. En avant, c'est cadeau, c'est cadeau. C'est un style, je vais voir si les DP sont là. DP pour Sécu. Je sais pas s'il si est ouvert, j'ai pas fait gaffe. Non, il est fermé. DP pour sécu Ils sont pas là Ah non, ils sont pas là, ok. Euh. Pff. Bah tant pis, elle reste là. C'est hein. vous que je vous dise. Après, vous allez me dire, euh, c'est pas si gênant, mais c'est pas beau, quoi. Je voulais essayer de de nettoyer un peu cette ville. Par contre, on va appeler la DIR, là. Les... Ils ont fait sauter tous les panneaux, là. Dire pour sécu. Hop. Aussi, ils taffent pas. Dire pour sécu. On est les seuls à tra... Eh, le seul qui taffe ici, mesdames et messieurs, vous imaginez. Ouais, lol, on en fera ce soir, lol. C'est vachement bien. Je veux passer Silver... Dire pour sécu. Mesdames et messieurs. Pas grand monde qui travaille ici, moi je vous le dis. On va au principe que c'est bon. Alors on va gérer un petit peu les... On est où On est là nous. Alors voyons voir. Alors du coup, PCS, il a dégagé. Hop, alors moi je vais là. Hop, je virai ça. C'est suivi pour PCS, je vous laisse vous mettre à jour sur le doc, c'est reçu C'est reçu. Hop. Hop, ok. Alpha pour PCS Bravo pour PCS C'est ce que je me disais. Tu te mets à jour sur la fiche ou pas Ok, c'est quoi ton nom-prénom? Euh, Raphaël Carpentier. Raphaël Carpentier. C'est quoi ton véhicule? RS5. Ok, t'es disponible? AFI. Hop là. Ok, c'est reçu. Prochaine fois, n'hésite pas à t'annoncer que t'as pas accès au doc, euh, ça permettra un remplissage. Pour euh, l'unité de forestier, pour PCS, t'as accès au document accès au document. Parfait, bah pareil, il faut le dire, sinon on va jamais y arriver. Tu prends quel indicatif monsieur. Bonjour euh, Alpha. Comment vous allez Ça va, ça va, monsieur. Attends, je suis désolé, je suis au téléphone. Garde forestier Alpha C'est ça. Ok, Transmet ton identité. Hop. C'est quoi ton véhicule euh, Volkswagen. Euh, Alors, Volkswagen Le blanc ou le vert Le vert. Le vert. T'es disponible aussi Affirmatif. Ok, du coup, p pour toutes les unités, vous êtes normalement Bravo et euh, Garde Forestier Alpha, c'est ça Garde forestier pour PCS. Oui, merci. Ok parfait, vous êtes Alpha, c'est bon pour vous bon. Parfait, vous y arriver mesdames et messieurs. En fait, il y a un document et on a dû refaire différents accès. Donc quand c'est ça, bah c'est pas compliqué. Si vous n'avez pas les accès, vous demandez à PCS de vous ajouter, c'est tout. Donc là du coup on a un petit garde forestier. Je pense que je vais l'envoyer dans la forêt. Garde forestier pour PCS. Ouais, si t'es dispo, tu peux aller dans la forêt s'il te plaît pour patrouiller, pour t'assurer que les braconnages euh, soient terminés. Pas ceci, je rends tout de suite. On va le faire travailler un peu. <laughs> Fall Guys, j'ai envie de le désinstaller, Fall Guys, mesdames et messieurs. Je déteste ce jeu... Tout le monde l'aime bien, mais j'arrive pas à faire des top 1, du coup, euh, du coup ça m'a saoulé. Mais sinon, euh, sinon, ça reste un bon jeu. Par contre, un jeu qu'on m'a parlé, là, c'est euh, Among Us. Le jeu, il coûte 4 euros sur Steam. Et à ce qui paraît, il est vachement bien. Donc, euh, à voir, ce serait une sorte de loup-garou, vous savez. Une sorte de loup-garou, euh, un, euh, un petit peu dessiné au crayon. Et euh, il est à 3,99€ sur Steam, hors promo, euh, en mode euh, comme ça. On peut y jouer en, en coop et en ligne. Et il euh, y a pas mal de streamers qui jouent. Et euh, j'avoue que moi, le jeu du loup-garou, j'aurais bien aimé essayer. Donc, à voir, peut-être que je prendrais ça. Mais Fall Guys, à mon avis, je jouerais plus beaucoup. Euh, par contre, là, on, a, on est en train de refaire un peu de Payday 2. Et euh, ce jeu m'avait bien manqué. Alors, est-ce qu'ils sont là, eux Non, ils sont pas là. Ok, on va tourner là. Ils sont pas là, par contre. Ah, si, ils sont là. On va devoir faire le travail de tout le monde, j'ai l'impression, ce soir. DP pour Sécu. Waouh. DP pour Sécu. <laughs> Je crois que le Roscar, il s'est barré. Attendez. On va aller les voir. À mon avis, <laughs> le gars qui gère la radio, il s'est barré avec. Il a rien dit. On va aller voir ce qu'ils font. On va aller voir ça, attendez. Tac. Et j'ai que la crown victoria soit là. Vous allez kiffer, elle est tellement belle. Alors... On va se mettre devant. On va aller voir ça. Qu'est-ce qu'ils font oh, Petite GT3RS. Ou GT2, je sais pas, j'ai confond tout le temps. Ouais allez voir. Ils sont en train de se préparer euh... un gros gros rassaut. On va pas trop s'approcher. Vous savez si ça explose, je préférerais être assez loin du lieu de l'explosion. Bonjour Bonjour, Bonjour 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 Bonjour, excusez-moi, j'ai pas osé m'approcher sans savoir si ça explosait. Bonjour Bonjour Ouais j'essaye de vous appeler sur la 113, vous travaillez plus Ah on vient d'arriver en fait, on se prépare, on va tout ranger là ici pour la tempête et puis après on. Ah ok donc là pour le moment vous êtes plus dispo Ah non bah en fait on vient d'arriver. Ah ok ça marche. Bon pas de soucis. Bon bah bonne journée, à tout à l'heure, merci Au revoir, au revoir monsieur. ok bon ça c'est bon. Je vous disais bien. Je vous disais bien que c'était bizarre que je les voyais au loin comme ça. Ouais, je préfère m'éloigner quand c'est eux, on sait jamais, tu vois. Un accident est vite arrivé. Et quand je dis ça, euh, je veux vraiment dire euh, vite, vite arrivé. C'est-à-dire que le temps que je fasse une marche arrière, euh, le véhicule il peut exploser et potentiellement euh, on interviendra sur un accident, si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que je vais faire d'autres PEX armées américaines euh, J'avais commencé à un moment à en faire d'autres, mais en fait ça prend du temps. Faut trouver les mecs. Leur dire de télécharger les add-ons. Après, il faut se battre avec Amashi. Amashi, c'est le logiciel qui permet, entre guillemets, de faire comme si on faisait une coop locale. Après, il faut se fixer un horaire. Après, il faut, euh, une fois que tout le monde est là, que tous les modes soient bons, qu'on a réussi à se connecter à Amashi, qu'on commence à jouer. Mais très souvent, après, bah, les gars, faut qu'ils aillent manger, faut qu'ils fassent ci, faut qu'ils fassent ça. Du coup, au final, non, je me suis un peu démotivé euh, et j'ai laissé tomber. Parce que c'est beaucoup trop de bordel à gérer. Et euh, la fois où on avait essayé, on avait réussi à le live. Mais on avait mis au moins une heure avant à réussir à se rejoindre. Parce que, euh, un coup, ils voyaient le serveur. Un coup, moi, je ne le voyais plus. Après, il y en avait un, il était pas dispo, il devait partir. Après, l'autre, il arrive. Et euh, souvent, les campagnes en mode américaine, il y a euh, 10, 15, 20 gigas dadd parce qu'il faut des cartes modées, etc. Et euh, ça prend la blinde de place. Les gars, ils n'ont pas de place sur leur disque dur, etc. Donc, au début, je m'étais dit que j'allais faire ça avec Discord. Euh, puis après, je me suis rappelé que j'avais pas envie de courir après tout le monde parce que ça allait juste ressembler à ça. J'allais devoir courir après tout le monde à base de vas-y, viens à telle heure, fais ci, fais ça, etc. Et euh, du coup, bah, j'ai euh, laissé tomber pour le coup. Voilà. Je me suis dit, on, on fera ça une autre fois. Donc, non, pour le moment, non, j'ai euh, pas de coop euh, sur Armat prévu. Pour les raisons que je vous ai énumérées. Étant donné que. Euh, c'est pas que c'est compliqué à faire, c'est que. Il y a tout le truc autour à gérer en fait. Parce qu'en fait, s'il manque un add-on de bloquer, il faut tout télécharger. Il y en a qui n'ont pas la fibre. Donc il leur faut 3 jours pour télécharger 20 Go. Enfin voilà. Du coup non. Mais je vous recommande chaudement d'essayer. Pour ceux qui n'ont jamais... Pour ceux qui n'ont jamais trop testé, je vous recommande chaudement d'essayer hein, euh, euh, les campagnes sur le workshop. Vous allez kiffer. Euh, ouais, je vais mettre des fois 4 plutôt là. Donc là, je fais le taf un peu de la dire. Euh, mais écoutez de mer là Hop, on mange des corbeaux c'est dingue on aurait dit un collègue c'est soit la bac soit un gars qui a le même véhicule que moi et donc du coup voilà non avons... par contre un truc qui arrive là très bientôt sur youtube attention teasing arma 4 vous verrez vous verrez vous verrez ça arrive euh... Ça arrive soon. Arma 4. J'ai recherché un petit peu, j'ai trouvé des trucs et tout. Je vous montrerai ça très bientôt. Attendez, je vais vous prendre une photo de ce véhicule. N'est-il point magnifique, sérieusement Non, mais et honnêtement, est-ce qu'il n'est qu est pas trop beau Avec son côté un peu sympa de Noël, vous savez Avec les. Regardez-moi le détail. Les petites LED euh... jaune-orange de partout là qui clignotent. Oh, j'ai même pas vu le rétro. Alors ça c'est joli. Le rétro, il a dans la 3D la place pour mettre les LED. À mon avis, ça doit être un modèle police de base qu'il a importé. Parce que ça, pour le coup, au euh... niveau de détail, est vraiment stylé. Après, qu'est-ce qu'on a Bah, la rampe, vous la connaissez. Hein. Et après, euh, petite toupiote sur le côté. Tac, tac, tac. Puis après, le cul, quoi. Tout simplement. Avec euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Quasiment une bonne douzaine de spots sur le côté. Alors, l'avantage, c'est que ça se voit bien. La nuit, c'est incroyable. Et euh, le jour, c'est pareil, c'est visible parce que sinon on avait des véhicules vous savez on voyait pas grand chose et du coup c'était assez, euh, assez compliqué quand vous voulez faire des choses avec. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Yoel Patros, bienvenue bienvenue. Ouais, c'est ça, c'est un peu Noël. Moi je kiffe les véhicules de Noël, les véhicules américains. Bon malheureusement, en... ils sont moins fans, c'est dommage. Parce que je trouverais ça vraiment stylé si en France on avait des véhicules de police qui clignotaient dans tous les sens avec des rampes en dessous, au-dessus sur les côtés tout ça, je trouve ça vraiment stylé. PCS pour Bravo. Transmettez. Ouais, c'est pour faire le point euh, au niveau de votre situation. Euh, là, je patrouille euh, sur euh, lake. Ok, RAS. RAS. Ok, c'est reçu. Garde forestier pour PCS. En fait. On va lui faire parler un peu la radio. Ouais, c'est pour savoir euh, au niveau de votre situation si vous avez trouvé les braconneurs. Il n'y a pas eu de coup de feu tiré récemment. Ok, vous n'avez pas retrouvé de piège Non. Ça marche parce que ce matin ils ont retrouvé plusieurs sangliers qui auraient été traqués et empoisonnés. Donc c'est pour ça, fallait bien chercher, voir si vous ne trouviez pas des infos. D'accord, bah je, je vais me renseigner. <laughs> Yo Spyrix, bienvenue. Je vais l'envoyer chercher quelque chose qui n'existe pas. Et on va voir s'il va le trouver. Voilà. Et ça, sur Arma for Life, c'est notre spécialité. Donc là, il va aller chercher des. Euh... Comment dirais-je Des sangliers empoisonnés. Et, miracle de la vie, il va peut-être nous appeler pour nous dire qu'il les a trouvés. C'est ça qui peut être beau. On verra, mesdames et messieurs. <laughs> si, c'est des braconniers, mais ma version était plus marrante quand même, tu vois. Alors là on est bon. Là-bas il y a une base de loisirs où... À un moment il y avait un, un gars qui faisait une école de plongée. Mais genre le sol était tellement dangereux que tu risquais à chaque instant de te buter à l'intérieur. Du coup on a refait un petit, peu, un petit peu le truc. Et du coup comme il y a moins de risques, bah du coup il veut plus venir. Il a fermé sa société de plongée. Voilà. Et vous avez là-bas le petit embarcadère etc. On ira peut-être un coup patrouiller, voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et l'avantage, c'est que maintenant, en fait, tu peux faire carrément toute l'île de Sony, comme vous le savez. Euh, et du coup, tu peux prendre un jet ski et puis euh, te balader un petit peu autour pour profiter euh, des différentes activités touristiques disponibles euh, sans risquer de te buter en descendant à l'eau. Parce qu'avant, la pente, elle était. Euh, C'était terrifiant, quoi. T'avais vraiment euh, une chance sur une de t'assassiner le visage euh, en descendant. Alors, petit parking de Sony. RAS. Les belles petites maisons. Fais gaffe aux cambrioleurs. Même si je fais ça gratos, hein, honnêtement. On aurait pu euh, monter une société de sécurité de maison. De... Payer des mecs pour aller cambrioler les maisons. <laughs> pour obliger les gens à passer par notre sécurité, vous savez. La mafia. Transmets pour PCS. On vient de me signaler des personnes qui se baladent dans la forêt lourdement armées. Appelez la police. D'accord, je les contacte. Essayez de prendre le max d'infos. Vous avez pris quoi en info pour le moment Euh, tu le lieu. Il y a des gars armés dans la forêt. J'en avais aucune idée. Hein. C'est pas moi, Et je là, les connais marrant, pas. Ils étaient deux. Ok, vous avez pu avoir une plaque au niveau du véhicule Non, ils étaient à pied. Et vous avez pu avoir un style vestimentaire Mais vous les avez vus On me l'a du coup je me rends sur la zone et euh, je suis en courant. Ah d'accord, tu fais une levée de doute. C'est ça. Ok, ça marche. En fait, il y, y a vraiment des mecs dans la forêt qui tuent des sangliers. Écoutez, je. J'ai tenté. Euh, J'ai tenté. J'ai tenté d'inventer quelque chose et. Elle s'est créée. On va se rapprocher au cas où. Pour aller, voir, euh, pour aller voir un petit peu le collègue. Euh, parce qu'au final, si c'est une levée de doute, on va peut-être pas appeler les flics, vous savez. Parce que déjà, de 1, c'est pas dit qu'ils répondent. De 2, quelqu'un qui a vu, qui m'a dit euh, Carla Bruni, quoi. Donc euh, on va déjà aller voir de nos yeux si on voit quelque chose. Prendre les infos et transmettre aux services compétents. Et ils seront traduits en justice et, et peut-être pendus, nous verrons bien. Mais j'ai pas envie d'appeler les flics pour dire il y a quelqu'un qui a dit à un de mes gars que il y avait des gars quelque part dans la forêt. Six, bon, que... on, on va vraiment passer pour euh, pour des bidouilles, hein, moi je vous le dis. Hein. Sécurité, l'écoute. Oui bonjour, écoutez, je voudrais souhaiter prendre ma licence sécurité. Est-ce que ça serait possible que quelqu'un me forme Alors là pour le moment non, ça sera pas possible. Faudra aller directement à Pôle Emploi. Et euh, voir avec eux pour une formation de sécurité. Pas de soucis, et après ça, je me rends du coup au sujet ou. Euh, oui, de toute façon, vous aurez un document et vous aurez une petite cassette de formation à Pôle emploi. D'accord, pas de soucis. Bon, bah alors sur ce, bonne soirée. Merci, bonne journée. Une cassette vidéo, vous imaginez. <laughs> pour être policier, tu regardes un film. Après, t'as un petit test. Un petit test de couleur. Tu dois reconnaître le bleu, reconnaître le rouge. Euh, après, tu as un test de forme, savoir euh, différencier un carré d'un rectangle, un triangle d'un rond. Et après, il y a un test de mathématiques où euh, c'est les tables 5. C'est l'étape de 5. Vous voyez ce que je veux dire PCS à l'écoute Voilà. À peu près pour euh, l'idée. Euh, tu étais en alpha Ok, comme t'avais pas fait de retour radio, euh, t'as déjà été enlevé de l'affiche pour information. Bonne patrouille, bon retour. Ah, okay. okay, bon. okay. <laughs> J'ai même des collègues qui réapparaissent. Oh Sanglier, mesdames et messieurs. Je vais appeler le collègue, non, peut-être qu'il est mort. On sait pas, on sait pas. Je vais l'appeler de ce pas. Garde forestier pour PCS, oh, Transmettez PCS. Ouais, bah j'attends votre retour, qu'est-ce qui se passe D'accord, c'était dans votre direction euh, Ouais, au niveau de la réserve naturelle. D'accord, et vous êtes à côté des sangliers C'est ça, je suis pas trop loin. Bah, vous mettez pas à côté des sangliers, euh, mettez-vous euh, un peu plus loin des sangliers. Bien sûr. On va aller voir. C'est l'heure de sortir. Euh... <laughs> C'est l'heure d'enquêter mesdames et messieurs. Alors, il y aurait des sangliers qui se feraient tirer dessus. Garde forestier pour PCS, mettez un marqueur sur la carte pour voir où vous êtes. Nous allons y arriver. <laughs> Avec eux, il y a toujours un problème. Non, mais là, c'est les sangliers, les gars. Au bout d'un moment, voilà, vous avez pas de cœur ou pas Vous avez pas d'âme C'est des sangliers, on peut pas les laisser se faire tirer dessus comme ça, les sangliers, mesdames et messieurs. C'est pas possible. Donc, je lui ai dit, te mets pas trop d'air. Oh là, il y a un lapin à côté de nous, on va se faire tirer dessus. Pampan, -pan. vire d'ici, pampan. Vire d'ici, pampan. Alors où c'est qu'il est, qu il est Ok, il est là. Ok, c'est vu par euh, PCS. On va regarder un petit peu mon pampan. Alors. On va se mettre. Ok, il y a le collègue qui est là-bas. Alors, on va aller voir. Il se ferait tirer dessus, il a dit. Hein. On va aller voir ça, mesdames et messieurs. Alors... Garde forestier pour PCS, vous faites toujours tirer dessus Non, négatif. <laughs> Il m'aurait dit oui euh... <laughs> Je prenais mon arme, je tirais sur lui. Ok, c'est reçu, bonne patrouille à vous. De dire. Mesdames et Messieurs, nous sommes libérés. C'est la tempête de sable mesdames et messieurs. Du coup, c'était une petite petite introduction en sécurité, écoutez. Je me suis dit on va commencer petit et là, je me suis dit au moins, il y a la tempête. Si ça dégénère, ça peut pas trop dégénérer parce qu'à parce qu'à 20h, il y a la tempête, vous voyez J'ai préféré assurer mes arrières, je me suis dit on va jouer avant la tempête comme ça si ça dégénère trop, c'est la tempête. Qui, euh, qui, qui nettoiera, qui calmera tout, vous voyez. Mais écoutez, pour le moment, euh, ça va encore, je trouve. Ça a été. Parce qu'on m'a dit plein de trucs sur la Sécu, je me suis dit, écoutez, pour le moment, ça va encore, je trouve que. Euh ça n'a pas été trop trop catastrophique, mesdames et messieurs. Ouais, et le Ford il accroche vachement bien, mesdames et messieurs. Donc, YouTube, fin d'épisode. On est revenu sur un des petits formats d'épisodes. Petit, petit format euh, périodique. Hebdomadaire. Pouce bleu, journalier, plutôt. Journalier. Du coup, pouce bleu, abonnez-vous. On est un petit peu en sécu. On va refaire des petites vidéos en sécu. L'idée c'est qu'on se balade un petit peu dans les différents métiers. Et euh, j'avais très envie de commencer par la sécurité. Bon, j'ai fait le petit joueur. J'ai commencé juste avant un reboot. Je savais que voilà, il y avait plus de chances que ça soit moins euh, Tortue Ninja que d'habitude. Là, tempête, redémarrage, euh, Alice au pays des merveilles. À demain, YouTube. Bisous et merci Spyric, ça fait plaisir. Et on vient de faire la première heure de ce stream de 12 heures. GG à vous. Une heure de fête, mesdames et messieurs. Bien joué.